Avant toute chose, permettez-moi de vous dire un grand merci au nom de l'ensemble de femmes et filles ici présentes et au bien propre, car nous sommes très émus par votre présence remarquable dans ce beau cadre de l'hôtel Gel Center, dans la commune de la Gombe, où nous célébrons ce jour la Journée internationale de la femme. En effet, le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Si vous voulez bien de femme, non seulement pour honorer la femme, mais aussi et surtout pour le placer devant ses responsabilités historiques et aussi à son destin égard aux différents défis à relever. Pour cette année 2022, le thème international retenu est la réalisation de l'égalité de genre et avancement de toutes les femmes et les filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et catastrophes. Et le thème national, quant à lui, est intitulé Promouvoir l'autonomisation des sexes dans les contextes de lutte contre les changements climatiques et la réduction des risques des catastrophes. Mesdames et messieurs, en ce qui me concerne, nous avons bien voulu circonscrire le cadre des activités de ces jours en mettant l'accent sur l'autonomisation de la femme. Thème à la fois permanent, central et perpétuel, devant guider les femmes et filles dans nos rapports avec le monde environnant, car les genres obligent. En effet, l'investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. Les femmes apportent une contribution énorme à l'économie, que ce soit au sein des entreprises, dans les exploitations agricoles, dans l'assainissement comme entrepreneuses ou employées, ou par leur travail non payé à la maison et elles s'occupent de leurs familles respectives, métiers traditionnels de femmes. Pourtant, elles restent aussi touchées de manière disproportionnée par la pauvreté, la discrimination et l'exploitation. La discrimination basée sur le genre condamne souvent les femmes à des emplois précaires et mal rémunérés et ne permet qu'à une faible minorité d'entre nous d'atteindre les postes élevés. Elle restreint également l'accès des femmes aux actifs économiques et sociaux et enfin, du fait que les femmes se chargent de l'essentiel des tâches ménagères, il ne leur reste souvent que peu de temps pour exploiter des nouvelles perspectives économiques. Comme solution à cette problématique, au niveau international, plusieurs engagements sont pris pour appuyer l'autonomisation économique des femmes. On peut citer, à titre illustratif, le programme d'action de l'ONG, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et en série des conventions relatives à l'égalité de sexe adoptées par l'ONU. C'est ici le lieu pour moi de faire un plaidoyer à son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, au gouvernement de la République, ainsi qu'au premier souverain de la ville de Kinshasa en particulier, pour que toutes les filles aillent à l'école, que les femmes ne restent plus à la maison, bien plutôt qu'elles soient aidées, soutenues et formées et préparées afin de prendre en charge et ainsi influencer le monde social et politique, notamment en ce qui concerne la participation importante de femmes aux élections, à la fois comme électrices et candidates. Enfin, s'agissant de la lutte contre le réchauffement climatique, les femmes agissent d'ores et déjà dans le domaine de l'assainissement, peuvent donc être utiles avec d'autres dans le cadre de reboisement après avoir suivi des formations pour former à leur tour dans ces secteurs vitaux.
Que vivent les femmes d'aujourd'hui, Gombe. Que vivent les femmes d'aujourd'hui. Que vivent la femme et la fille congolaise. Que vivent la République démocratique du Congo. Que vive la journée internationale de la femme. Je vous remercie. Maman Blandine Tabou, le temps de faire son entrée, de vous présenter. Nous avons aussi une autre maman, maman Marlène Moulef. Elle peut s'élever aussi sous vos acclamations. Et le secours à la terre, votre organisation de la femme. Il y a pas au nom de ce que c'est bien ça. Il y a l'objet à deux autres noms. Tout ça pour bâtir. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Maman, je n'ai pas un peu de vos cafés. Bonsoir, ma douce oignon sort. Bonsoir. Bonsoir. Na sangisi, mon konangai, na maignon, son maman charlène à Otoloba. Na sali amo, l'opposition. Boye, ma maman. Boye. Pour mini mini tomonaka, soki tata koufi, boni boni, ma bota, et koma kakosa la maman, na bana ou tata tiki. Kasi, mingi mingi pe, tozala kana bwanya te, poto yedi mibeko, te. Yangwana lelo, pona mokolo oyo ya journée internationale des droits de la femme. Je répète parce que, toyoki yangwana ba media, bozolo ba journée internationale des femmes. Non, ce n'est pas ça. C'est la journée internationale des droits de femmes. Bongo na kusenga, na maman moko oya ko yebisa biso ata na bokuse maman o esia kufeli o papa kei ayebisa biso lo lenge nini le taki pa na ye soki maman veuve moko azali awa ayebisa biso ndenge nini le taki tango papa akufaki. Vous devez et nous devons participer poza makambo tozo vivre na ba société na biso toza biso nyonso concerné. A nous la parole. Ah, on a qu'à dire à maman veuve azate. Manifestez-vous. C'est ça aussi l'autonomie de la femme. Quand on parle de l'autonomie de la femme, on ne veut pas voir la femme s'incliner lorsqu'on l'appelle comme ça pour témoigner
et donner de la matière aux autres. C'est aussi ça l'autonomisation. Famille n'a pas eu l'union sur les habits à papa. A qui n'a pas eu la carte n'a pas. N'a pas. Il est le 9 ans. Vous avez un régime. Babi Mibale Zali, Lissanga ya Mwasi, na Mombali. Oyoba, Ndimami, librement. Kasi, Baba Lio, Oye na Libala. Na Libala, wana Boponi, ba régime, Ndeye Bokoyu Kopona. Toza na trois régimes. Na Mbariage, Za, Usanisi. Tant ou yolo bi séparation, bazo mono on dirait, Oza na matanis mora ma be, na kati ya Libala wana. Moi j'ai vécu. Toleki, na régime Mousousou, Oyo ba bazanga décision pour ça. Balobi début au saké. La loi dit ce qui va bana pour. En tout cas, je suis aussi une femme battante. J'ai failli faire le droit mais mon père refusait. Vu à mon comportement, je ne risquais pas à me marier. Donc je ne risquais pas à me marier parce que j'ai pas fait le droit. Naroloba na la maman. Vous avez plus parlé na ou expliqué biso le trois régimes. Misusu ba yeba kite menga na yeba ki. Mena yini siko na lobela na pose motuna na ngezo kwa intervenir na ba couple oyo mobali ya se presenta ka na famille. Me ba sali plus de 10 ans de mariage a ba liété. Ba boti. Me mobali ya kufi. Siko me baza na ba bien. Tomo na ra plus na ba famille wana ba na ba koma ba malheureux et moi si koma ra malheureuse. Siko yini se biso pe ba droit ya ba si wana. Il y a d'autres mamans qui sont ici quand vous parlez de libérer, qu'on doit vous libérer. Je vais l'explication par rapport à ça. Libérer. Je n'ai pas pu comprendre. Merci. Quand on a lobby article 330, il y a code de la famille. Et limbo libiso boni boni libala. Pour ça la libala, et ça au bofan libino libala, c'est le bandeau botabane. Pour la libala, le Seigneur dit qu'il y a l'État. Ceux qui ont dit qu'il y a l'État, c'est que ceux qui ont dit qu'il y a l'État, ils ont le droit à la famille, ils n'ont pas l'État à enregistrer Bino. Rien que par l'enregistrement. Mais dans le mariage, je suis dit qu'il y a l'État par enregistrement. Ils ont qui célébrer l'été. Ils ont des possibilités. Kasi. Ceux qui sont commis, attend ceux qui vont reconnaître le droit à femme ou à famille qui m'a carotté. Mais bah non, il y a aussi. L'État n'a pas vu ça, dans l'article 1er, le droit de l'enfant, moi, je suis un homme. 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 Je suis un même droit. Na oyo ba boti na kati ya libala. Na oyo ba sali soki ndenge bango nyonso baza ndenge moko. Soki yo kozwa te, me bano yo boti ba kozwa. Baza na kati ya pourcentage yo na ebisaki bino. Na 50% ya tata, bana bazalaki na 37.5. Oyo bango bakoki kokabola na moto te. Na zoloba, 37.5 na entreprise wana, bana bakabola yango na moto te. Bakosanga na bango nyonso, eza te po yo za yaya. Donc, vous avez bien les cabalets qui t'aiment. Binonion, ce serait vous à 5 000 $. Binonion, ce 5 000 timbons aussi là. Moi, si le rôle à yo lingaki, ou la la qui pongi, ou lingaki botika na kimakango. Yango à la mémaye à bala yo. Mémaye bobala na. Yeah.
En tout cas, ils achènent bien. Et puis, ils sont très rapides. Ils achènent beaucoup. Ça a une confiance. En tout cas, nous avons 5 ans. Nous avons souscrité. Donc, ils ont vraiment été. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool. Pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Maman. Merci beaucoup. Et au moins, ma chaîne OESA impartiale. Et le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.